Salut tout le monde, c'est Miros, et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Spyro, la trilogie, donc la saison 1, sur Spyro the Dragon. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer au boss du monde des artisans. Alors, je tiens à vous prévenir tout de suite, il risque d'y avoir des petits bugs, des lags, etc. Parce que j'essaye de faire un truc pour l'intro, parce que je sais pas si vous avez regardé l'épisode 13 de l'épopée Sonic Adventure 2, mais j'avais eu des problèmes avec l'intro, qui était déformé. Donc c'était soit vous aviez la vidéo en tout petit, soit l'intro avait des problèmes. Donc j'ai préféré que l'intro ait des problèmes, hein, parce que sinon l'écran était vraiment rikiki. C'était un tout petit peu plus grand que l'épisode de Pokémon Jaune avec Papilu, si vous étiez déjà là, donc pour vous dire à quel point c'était petit. Donc voilà. Donc là je joue en 1280x720, un truc comme ça, qui est la taille de l'intro, donc normalement, je devrais pas avoir de problème. Donc et bon, on va se lancer sur le boss, hein, qui s'appelle Croustillant. Ok, j'ai foutu un coup de corne. J'ai foutu un coup de corne au portail et ça m'a fait mal. D'accord. Alors, total de joyaux 900. Bah ça va, on est riche, hein, dites donc. Ah oui, donc là je vais vous laisser écouter la musique. Même si c'est pas encore commencé. Tant pis. Aïe. Comment on les esquive, les chiens. Bon, la musique, tu commences là. Ça devrait plus tarder. Hop, on bouge. Wow, 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 wow. Deux en un. Hop. Alors en fait, je parle pas fort parce que j'essaie d'écouter la musique en même temps. Vu que dans mon casque, la musique va pas fort, hein, pour que ça ne se répercute pas, pardon, sur la vidéo. Donc là ça commence, donc je me tais. C'est pas encore commencé, c'est pas grave, ça ne devrait plus tarder. Là. Boulet. Voilà, donc pourquoi je vous ai fait écouter cette musique. Et ben ça, c'était tout simplement le thème de Spyro. Voilà, donc vous venez d'entendre le thème de Spyro. Un thème très sympathique. Moi j'adore ce thème, j'adore ce thème. Alors donc là-bas on voit le boss qui s'appelle Croustillant, accompagné de ses toutous. Par contre on n'a plus que deux points de vie là. On a Sparks vert et ensuite on n'aura plus Sparks, donc on va mourir. Et nous sauvons Nevin, ou Nevin. Gnastignork a nommé l'un de ses plus ignobles fidèles à la tête du monde des artisans. Amène-le-moi, je vais en faire un barbecue. Sois prudent, Spyro, il a plus d'un tour dans son sac. Et donc, comme monsieur vient de nous le dire, on affronte le premier sbire de Gnastignork, pardon. Donc un épouvantail, tout simplement, un épouvantail. Sauf que, qu'est-ce qu'il a de spécial cet épouvantail? Bah vous le découvrirez, voilà, voilà. Voilà ce qu'il a de particulier cet épouvantail. C'est qu'à l'intérieur, ce n'est pas un monstre comme on pourrait le penser, hein. C'est un mouton. C'est un mouton à l'intérieur, voilà. Ça m'a toujours fait rire.
Hop. Tiens, ah merde, j'ai pas eu toi. Tiens, t'es mort. Tiens, toi aussi t'es mort. Hop, et donc maintenant on s'attaque à Monsieur Mouton. Merci Monsieur Mouton. Hop, et hop. Et donc on a 100 joyaux. Et on a terminé le niveau. Alors bon, je pense pas que je vais vous laisser là, puisqu'à la base je devais faire un épisode juste pour le boss. Mais je vais pas vous laisser comme ça, hein, mes chers amis, parce que je vous aime bien, vous êtes gentils, vous êtes beaux, enfin ça j'en sais rien. Mais... je dis des conneries, pff, n'importe quoi. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est cool, ça. Surtout sur le Gear Network, hein, le nombre augmente considérablement. Vous êtes de plus en plus sur Gear Network et ça me fait plaisir. J'ai de plus en plus de vues. Moi je vous trouve très sympathique, les gens en plus vous postez des commentaires de temps en temps, donc ça c'est ce qui me fait le plus plaisir, les commentaires, hein. En plus ça vous prend pas énormément de temps de poster un petit commentaire, hein. Et puis ça fait toujours plaisir, ça me permet de m'améliorer, donc moi tant que je peux m'améliorer et vous proposer du contenu que vous aimerez encore plus, bah écoutez, faites-le, hein. Après, je sais bien que vous regardez des gens beaucoup bien meilleurs que moi, hein, comme sur Gear Network, là, le premier à avoir passé la barre des 5000, c'est Frigiel. Frigiel, c'est un gars super sympa, je pense. Enfin, je le connais pas personnellement, hein. Mais Frigiel, il a une très bonne façon de commenter, il est à l'aise, etc. Enfin, moi je sais pas si je suis à l'aise. Moi je fais le bordel en fait dans mes vidéos, c'est n'importe quoi, c'est pas très organisé, c'est... Je dis ce que je pense, et je pense ce que je... Non attends, c'est quoi la citation déjà? Je fais ce que je dis et je dis ce que je veux, un truc comme ça. Je fais ce que je dis et je dis ce que je veux. Donc parlons à Marco l'aéronaute. Waouh, je vois que tu as travaillé dur pour sauver les dragons, Spyro. Si tu le veux, tu peux te rendre au monde des Pacifiques. Es-tu prêt à partir? Allez, on va chez les Pacifiques. On lui grimpe sur la tête, le pauvre. Voilà, donc j'ai fait mon petit point sur les commentaires. Hein. N'hésitez pas. Je vais pas vous manger, mes amis, je vais pas vous manger. Donc sinon, pour le 1280x720, pour l'instant, j'ai pas trop de lag. Sur la vidéo, normalement, il devrait pas y en avoir non plus. Mais bon... Coucou toi. Oh. Alors si vous... Je sais pas si vous êtes déjà allé ou si vous avez déjà pensé à regarder la page Wikipédia Spyro the Dragon, The Dragon, pardon. Mais vraiment la page du jeu, hein, pas la page de la série en général. Mais il a expliqué ce que régisse... pas le prénom. Ce que régisse chaque dragon de chaque monde. Donc c'est toujours intéressant à savoir. Donc on sauve Titan. Bienvenue dans le monde des Pacifiques, Spyro. Regarde ce qu'ils ont fait de nos joyaux. Ils nous les ont volés. Ramène-nous nos joyaux, Spyro. Ramenez les joyaux, compris. Voilà, ramenons les joyaux. Donc on vient de sauver notre 17e dragon. Donc dans le monde des artisans d'où on vient, hein, les dragons sont les plus petits. Non, dégage. Voilà. Les dragons sont les plus petits de tous les mondes. Je crois qu'ici c'est le plus grand, je suis pas sûr. Je sais plus trop comment ça marche, leur truc, leur système de dragon, etc. Bon bref, c'est un truc compliqué quoi. Par contre, ça serait bien que tu te positionnes, Spyro. Hop. Touk. C'est bon, il le touche. Il le touche. Hop. Et lui, il le touche. Il le touche. C'est ça qui est sympa dans ce monde, c'est les canons. Les canons, c'est un élément du gameplay de ce niveau. Est-ce qu'on peut parler d'éléments de gameplay d'un niveau? Je ne sais pas. Je pense que oui, hein, mais bon. Est-ce qu'on va à Dry Canyon? Je ne sais pas, mes amis. Je ne sais pas. Alors déjà, on va essayer d'avoir tous les joyaux de ce monde. Donc ils nous montrent leurs fesses, les petits méchants là.
Il faut toujours rire. Regardez. Ils sont trop drôles. Et puis quand on s'approche d'eux, et eh ben ils ont les chocottes. Alors bon, on va vider ce niveau. Enfin, le vider, entre guillemets. Hop. Voilà. Tac. Est-ce que j'ai récupéré ton joyau, toi? Non. Là-dedans, il y a quelqu'un. Là-dedans, non. Hop. Là-dedans, oui. Les dragons, on s'en occupera juste après. Pour l'instant, on va faire les joyaux. Alors, il y en a 100 ou 200, je sais pas. Voilà, donc eux, je leur ai cramé leur tente. Comme ça, ils sont prêts à la fight. Tiens. Donc, à partir de là, le jeu va forcément se corser un petit peu plus. Hein. On arrive quand même au monde 2. Hop, une vie. Merci beaucoup. Donc là, encore un niveau. Ah oui, il est chiant, ce niveau. Il est chiant. La caverne de glace. Alors, ici, il nous faut une clé, je dirais. Hop, touc, et touc. Voilà. Hop, ici. On va faire vraiment de l'exploration, hein, ici. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, je sais. Docteur Shemp. Mais c'est le boss, ça, non? Je peux déjà faire le boss. Mais c'est nul. Ça sert à rien, il n'y a aucune utilité à pouvoir... Aïe! À pouvoir faire le boss directement. Bah, je n'ai plus parlé. Bon. Est-ce que je peux te toucher d'ici, toi? Oui, bon, toi, oui, pas de problème. Par contre, toi... Toi, oui, je peux aussi. Alors, on va faire un petit tour gratuit. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. J'aurais pu passer de l'autre côté, mais j'ai la flemme. On va péter cette colonne. Hop, voilà. On va prendre les joyaux qui nous ont été si gentiment offerts par ce coffre. Donc apparemment, il y en a 200 ici. Attends, je vais regarder. Oui, 200, c'est exactement ça. Et 3 dragons. Donc on en a un là, déjà. Je crois que j'en ai passé un autre à côté. Alors, si je saute là, je tombe. Hein. Non, peut-être pas. Je sais pas. Alors, je ne tombe pas, ça va, j'ai de la chance. Là, par contre, si je saute, je pense pas que je passe. Ici, ça doit être le circuit de vol. Non, oui, vol de nuit. Les circuits de vol, c'est ce que je regrette le plus. Non, ce que je redoute, pardon, le plus. Ce que je regrette le plus, n'importe quoi. Hop, donc épisode boss et chasse aux joyaux, hein, donc pas un épisode très intéressant, vous me direz. Mais on fait ce qu'on doit faire, hein, puisque au final le jeu c'est quoi? C'est de la chasse aux dragons et de la chasse aux œufs, j'allais dire. Oui, c'est Pâques, et alors le jeu c'est de la chasse aux dragons et de la chasse aux œufs. Voilà, la chasse aux œufs quand même. Tiens, voilà, t'auras pas eu le temps de bouger que je t'ai déjà démonté, toi. Fais-moi pas chier, bitch. Ok, hop, toi, je te pète. Une clé. Je sais pas où est le coffre, mais c'est pas grave. Alors on va parler quand même au dragon, hein, tant qu'on est là, qui s'appelle Gunnar. Bien joué, Spiro. Continue comme ça et je suis certain que tu accompliras ton destin. Mon destin? Je veux juste leur botter les... Débarrasse-toi de ces ennemis et récupère des joyaux. Il était bizarre, il avait une drôle de tête, celui-là. Mais c'est pas grave. Alors, hop, on va grimper là-haut. Spyro a du mal dans les côtes. Hop, et on va aller là-bas en espérant que ça passe. Oui, ça passe. Et je suppose que le coffre est là. Oh, il y a beaucoup de trucs ici. Beaucoup, beaucoup, énormément de joyaux. Et on pose notre clé. Et donc, logiquement, dedans, il devrait y avoir un total de 10 joyaux. Et je dirais que c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est nickel. Donc on va aller sauver... Oh là, on va aller sauver le dernier dragon qui nous manque. Et là je viens de me fail, c'est pas grave. Viens ici petit lapin. Hop, c'est les lapins de Pâques, la chasse aux œufs, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, joyeuse Pâques, hein, les gens. C'est une fête religieuse, mais on s'en fout parce que moi je suis pas croyant. Vous, je sais pas, mais franchement, ça ne me regarde pas. donc pour moi, Pâques, c'est juste la fête des chocolats, etc., etc. Donc, joyeuse fête des chocolats, les amis.
Ne vous empiffrez pas trop quand même, hein. Donc on va sauver ce dragon qui s'appelle Magnus. Salut Spiro, étincelle la libellule t'a bien protégé jusqu'à présent. N'oublie pas de lui donner beaucoup de papillons pour qu'elle reste forte. Comme toi, non? Voilà. 19e dragon, on n'en aura pas sauvé beaucoup aujourd'hui, hein. On en a sauvé 14. Bon, c'est déjà pas trop mal, hein. Tiens, d'ailleurs, ce que je devrais peut-être vous montrer, c'est le système de sauvegarde. Parce que je l'ai pas encore fait à chaque fois, mes sauvegardes, je les faisais en off. Donc on va faire ça, hop, et on va se quitter juste après. Donc on doit monter sur une stèle de dragon. On peut choisir de réentendre le dragon, mais bon, ça sert à rien, on vient de l'écouter celui-là. Ou de sauvegarder notre partie, ou de retourner dans le monde où on est, donc reprendre notre progression. Donc on va sauvegarder la partie, hop. Et c'est aussi simple que ça, c'est simple comme bonjour, il n'y a rien d'autre. Alors, je crois qu'on peut déjà aller dans le monde suivant. Parlant à Gosnold, du mal à croire que tu aies pu retrouver si vite autant de joyaux volés. Partons pour le monde des ouvriers magiques si tu es prêt. Et ben non, on va pas aller tout de suite au monde des ouvriers magiques, hein, parce que quand même, on devrait terminer d'abord ce monde-là. Ce monde-là qui est pas... Bah, il est pas moche, mais il est pas beau non plus. On va dire ça, hein. Moi, depuis tout à l'heure, je fais des Battle Wall. Ok. Ça sert strictement à rien, mais c'est marrant. J'aime bien violer les boutons de ma manette. Pas violer les gens, hein, parce que... Ouf. Sinon, je serais pas en train de vous parler. En plus, on avance pendant qu'on le fait. C'est sympa, ça. Hop. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Do a Battle Wall. Est-ce que ça fait des dégâts, ça? Si on va dedans. Oui. Je confirme. Ça fait des dégâts. Donc en fait, là, j'ai du mal à vous quitter. C'est pas grave. Donc Sparks, tu récupères ta santé. Oui, j'insiste à l'appeler Sparks, hein, même si tous les dragons l'appellent étincelle. C'est Sparks. C'est Sparks. Hein. Donc les amis, si vous voulez plus de renseignements sur les types des dragons, je vous invite à aller regarder... Pourquoi il a bougé? Je vous invite à aller regarder la page Wikipédia... J'allais dire la page Facebook. La page Wikipédia. The Spy was a Dragon. Pardon, excusez-moi. The Spy was a Dragon. Sur Wikipédia. Et je vous mettrai sûrement le lien dans la description. Hein, si j'oublie pas. Ce qui est fort probable. Donc on se quitte sur cette magnifique vue de ciel PS1 avec plein de carrés partout. Et donc, prenez soin de vous. Bye bye.